Salut, c'est Antoine, alias DJ Boss sur Racing FR. Je fais une petite vidéo pour vous montrer une idée que j'ai eue en regardant le simulateur V4 de chez JCL. Il simule le freinage avec le harnais qui nous retient dans le siège. Donc je me suis dit c'est pas mal, c'est quelque chose qui serait à essayer. Donc j'ai modifié un peu mon poste de conduite pour faire un essai. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc ici j'ai un établi de ma conception qui fait 120 kg, qui est entièrement en médium et qui est freiné en dessous. Donc il bougera pas, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pris mon harnais et voilà, je l'ai relié dans un des trous et je l'ai vissé avec une vis de bon diamètre. Et voilà, donc on va essayer de voir ce que ça donne. Donc normalement je devrais ressentir une pression au niveau des épaules lors des freinages. Voilà, donc je vais essayer de caler la vidéo pour qu'on puisse voir quelque chose. Et on va essayer ça. C'est parti. Là, il est bien serré. On va essayer une fois ce que ça donne. Si c'est une bonne idée ou pas. Ça a l'air assez réaliste. C'est violent. Voilà, donc je sais pas si on voit grand chose sur la vidéo, mais c'est quand même super intéressant, je trouve. On a vraiment le... On est plaqué au siège lors des décélérations, lors des gros freinages. C'est quelque chose qui est pas mal et qui rajoute un plus pour un simulateur comme ça, type 2.9 avec structure automobile. Donc je pense que c'est quelque chose que je vais intégrer sur mon cockpit. Voilà. Voilà pour la vidéo. Merci, ciao à tous.